لا يزال دور الجالية الجزائرية في فرنسا إبان الحرب التحريرية غير معروف الملامح بدقة، على الرغم من أن مناضلي جبهة التحرير الوطني بذراعها المسلح فتحوا جبهة قتال ضد المستعمر في عقر دياره ابتداء من سنة 1957. كان لمقتل العميل علي شكال وهو بجوار الرئيس الفرنسي آنذاك في ملعب كولوم وضرب منشآت نفطية في مارسيليا دوي إعلامي أعطى للثورة صدى دوليا كبيرا. محمد غفير المعروف باسم موح كليشي كان شاهدا على هذه الأحداث إذ كان على رأس منطقة باريس كليشي، وله ما يقول في الموضوع هذا لا سيما فيما يخص أحداث 17 أكتوبر 1961 بباريس ومقتل المئات من الجزائريين ورميهم في نهر السان. أعطى محمد غفير معلومات هامة قد لا تتوافر في غير شهادته إذ كان كل كلامهم موثوقا ومسطورا، كما قدم معلومات هامة على الحرب الخفية غير المعلنة، حرب التحرير التي انتقلت بفضل شجاعة الرجال من الجزائر إلى قلب فرنسا. رافقت قناة الهوغار محاضرة محمد غفير وما تلاها من نقاشات. Avant de donner la parole à monsieur Mohamed, je vais juste vous lire une lettre écrite par le maire de Paris. Lettre de M. Bertrand Delanoë, maire de Paris, à l'auteur, et réponse de celui-ci. Cher monsieur, à l'occasion du Maghreb des livres, vous avez eu la délicate attention à m'offrir l'essai que vous avez consacré à la tragédie du 17 octobre 61, et je vous en remercie vivement. Cet ouvrage illustré des témoignages poignants de policiers, journalistes, médecins, gens d'église, familles de victimes, rescapés, restitue l'ampleur et l'horreur des événements du 17 octobre 61. Documents d'époque, discours, compte rendu de commémoration complètent le remarquable travail de mémoire que vous avez tenu à réaliser afin que nul n'oublie jamais tous les innocents qui, en ce jour funeste, ont trouvé la mort dans Paris et en région parisienne. Je vous prie de croire, cher monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Donc, cette lettre-là résume un peu le livre. Et M. Ghafir Mohamed, il va donc dédicacer une dizaine de livres qu'il a ramenés. Donc, j'ai insisté pour qu'il fasse une vente dédicace en marge de cette conférence. Je termine. Donc, je suis très, très touché, justement, d'avoir été invité par mes amis pour donner pas une conférence, parce que moi je ne suis pas conférencier ni professeur, je vous donne un témoignage vivant de ce que j'ai vécu justement au sein de la fédération du FLN en France. Là, c'est un événement, c'est une lutte qu'on a fait chez l'ennemi. Là, je ne veux pas justement rentrer dans certains détails parce que c'est long justement à expliquer. Comme le thème le dit, le rôle de l'immigration durant la lutte de libération nationale, mais il ne faut pas oublier que l'immigration a joué un rôle avant le 1er novembre 1954. Et là, de l'histoire avant le 1er novembre 1954. C'est pour ça que je vais vous donner un petit jet de façon à remettre les pendules à l'heure, parce que notre histoire, nos enfants ne la connaissent pas. On ne leur a pas dit pour des raisons connues. Eh bien, là, ce thème-là de ce soir, puisque je l'ai vécu, justement, personnellement, en tant que responsable, en tant qu'ancien détenu, en tant et année, voilà. Je remercie encore une fois, justement, mes amis de m'avoir invité. Aimé Césaire a bien dit, un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir. Donc, c'est ça le but. Et en même temps, Je rumine toujours la déclaration de Dijouch Mourad Rahimahullah, justement avant de Qbel Mestechad, le 18 janvier 1955, avec Ziroutou Souf, justement, Ibn Toubar, ils étaient ses adjoints, avant justement d'engager la bataille, justement, dont il a Mestechad. Alors on a tendance à falsifier l'histoire en disant quelque chose. Dijouch Mourad a dit
quand on تفكروا ذاكرتنا كي نموتوا تفكروا ذاكرتنا mais c'est trop simple justement mais il a dit mieux que ça pour que nos enfants puissent la comprendre. Alors donc moi j'ai même je l'ai dit en français mais il a été traduit en arabe. قال يعني اذا قدر لنا الاستشهاد. Voilà, déjà hadith ça suffit si nous devons mourir اليوم ولا غدوة ولا اذا قدر لنا الاستشهاد فلا شك ان من يبقى وراءنا سيعمل على تخليد مشاعرنا الطورية ونقلها الى الاجيال الصاعدة. هذا سا كونسيرن لا ريفوليسيون. Maintenant, il s'adresse aussi à l'ennemi d'une manière indirecte, bien sûr. Alors, à l'ennemi, il dit سنخوضوا بعض الحادات معركة الشرف والاستشهاد. Alors, donc, لكي نعطي الدليل القاطع لعدونا بأننا مؤهلون لتحرير وطننا وشعبنا ما دمنا مستعدين للتضحية. Vous m'excusez pour l'arabe parce que je ne suis pas trop honnête, mais je dis quand même, en français, il est encore plus explicite. يعني je l'ai ici. Alors donc ça me suffit de dire il faut donner un témoignage. Les mujahidines justement ben qawsin les vrais. Et alors il faut qu'ils transmettent le message à nos enfants justement pour qu'ils puissent comprendre que cette histoire, cette indépendance n'est pas tombée du ciel. Alors pour ce qui est de l'immigration, je pense qu'il faut faire je ne peux pas traiter directement sur ce que nous avons vécu en France pendant la Révolution, mais il faut faire un regard en arrière. Dans son livre « Les origines du 1er novembre », je crois qu'il a les origines du 1er novembre. On ne peut pas écrire un thème sans voir les origines. Eh bien, les origines de l'immigration, c'était la création justement de l'étoile noire africaine. Il ne faut pas oublier, parce que c'est de là où l'esprit du nationalisme a germé. Je le dis peut-être avec Adam Akan, mais je le dis quand même d'une manière directe. L'étoile noire africaine a été constituée en France, justement. L'initiateur, c'était l'émir Khaled, parce qu'on l'a toujours occulté, c'est ça le problème. Ombal, comme lui, il a eu des problèmes avec les Français, puisqu'ils l'ont exilé à l'époque en Égypte, justement. Alors, donc, il a laissé le soin à la CGT à l'époque, les communistes, bien sûr. Et bien, Menhom, il y a eu 5 ou 6, Maroufine, par la peine, ils ont donné la présidence à M. Ali Hadj. Voilà. Voilà comment ça a démarré, l'étoile noire africaine. Le 20 juin 1926, voilà. À Paris et encore le siège à Nanterre. Bon, voilà un point. Le deuxième point, justement, puisque l'étoile noire africaine, quand même, elle a activé 10 années. Hein. Quand on dit l'étoile noire africaine, on dit avec la Tunisie et le Maroc, bien sûr, mais je crois que ce qui Rajif l'a dit, il a dit on les a pris comme couverture. Sinon, on n'aurait pas l'agrément pour avoir l'agrément de le parti. Vous savez que c'est le premier parti politique que la France a reconnu depuis 1830. Il faut le reconnaître. Voilà. Donc, et là, ils ont commencé, à activer jusqu'à janvier 1937, quand même une dizaine d'années. Et bien, ils commencent à demander l'indépendance, à sortir un peu du cercle. Et bien là, bien sûr, le gouvernement du Front populaire, qui est l'emblème à l'époque, ils ont dissous l'étoile noire africaine en janvier 1937. Et bien, les Algériens, bien sûr, les anciens qui sont... Et bien, 45 jours après, ils ont constitué le parti du peuple algérien, toujours en France, toujours à Nanterre, le PPA. Donc c'est ça, c'est là-bas où le nationalisme a germé, dans le sens officiel. Mais le PPA, ou l'étoile noire africaine, en France seulement, en Algérie, les pays noirs, il n'est pas question. Mais ça, c'est connu. Et bien, donc, le PPA a été constitué, bien sûr, avec les éléments connus. Et bien, ils ont commencé justement à activer de leur côté aussi, toujours avec l'indépendance aussi, etc. Bien, finalement, ils n'ont pas mis longtemps. Ils ont mis quand même en septembre 1939, il a été dissous à son tour. Il a été dissous à son tour. Donc, les militants, ils ont activé clandestinement. Alors, jusqu'à 8 mai 1945,
C'est eux qui ont été, justement, et il faut le dire, justement, avec Farhat Abbas, ils l'ont essayé parce que c'est une couverture d'année, parce que lui, il a un parti reconnu, les AML. Et bien, donc, le 8 mai 45, c'est eux qui ont poussé à la manifestation, à la marche de, du 8 mai 45. Puisque De Gaulle a promis déjà, une fois que qu'ils retrouvent leur indépendance, tous ceux, comme il a dit lui déjà, tous ceux qui sont sous notre drapeau, ils seront indépendants. C'est à Brazzaville en 1944 qu'il a donné quand même, c'est justement, il a témoigné. En plus, les Hulafa, comme on dit, les alliés, à chercher les Zanawars, à l'hôtel Saint-Georges, ils ont dit que tous les peuples seront libérés après la victoire contre l'Allemagne. Voilà. Donc je crois que je m'arrête parce que le passé, c'est le passé qui fait l'avenir, qui a fait le 1er novembre. Sans cela. Donc après ça a continué. Finalement, De Gaulle, puisque c'est lui qui était, pour lui, mai 45, c'est lui qui était, justement, le hasard de l'histoire, c'est lui qui était avec les massacres du 8 mai 45, et c'est lui qui est revenu 16 ans après les massacres du 17 octobre 61 à Paris. Alors, comment, et encore, c'est les deux mardis. Voilà. Alors, mardi, 8 mai 45 et mardi, 17 octobre 61, le hasard de l'histoire. Voilà. Ben, donc, De Gaulle, du moment que ce massacre du 8 mai 45 il est connu, eh ben, sur le plan international, il a été vraiment très embêté. En bas, là, il a autorisé à ce qu'on crée un parti en Algérie, parti les Algériens. Alors, en novembre 46, il y a eu le MTLD, Mouvement de Triomphe des Libertés Démocratiques, voilà, qui a été créé en Algérie, avec les mêmes responsables, d'autres militants, bien sûr. En 47, il y a eu l'OS, l'histoire de... Ils ont créé l'OS. L'OS, c'est quoi? C'est l'organisation spécialement, et elle se prépare à une lutte armée, à la Mekan. Justement, Mohamed Blouzad, rahimahullah. Voilà, c'est l'histoire. Donc après, justement, en 50, il y a eu quand même... l'os, justement, il commence à bouger, il commence à se préparer. Ben, comme il y a eu les Français, bien sûr, ils ont eu des échos, et ben, ils ont arrêté tous les éléments de l'os. Il y a eu plus de 500 arrêtés cadres du parti à l'époque, en 50. Donc, Menhoum Abban et tout ce qui sont, surtout cela. Et ben, donc, ceux qui sont, ils ont échappé, des Douche Moura, des Mohamed Boudiaf, rahimahullah, ils sont partis en France. Ils ont dirigé le parti du PPM-TLD à partir de France, justement. C'est pour ça, à l'époque, on appelait la Fédération de France du PPA-MTLD. Quand c'est parti, donc c'est devenu Fédération de France du FLN. Voilà, c'est ça, yani, comment que ça s'est arrivé. Eh bien, Mohamed Boudia fait du Douche Mourad. Eh bien, en France, bien sûr, ils ne sont pas restés les mains liées. Là-bas, ils ont provoqué, là, je vous lis un petit document, yani, pour donner un peu, pour arriver justement au 1er novembre et en même temps à la fin, à la 17 octobre, qui était la dernière bataille de la révolution algérienne, qu'on le veuille ou non, mais on veut la mettre de côté, mais les faits sont là. Les Français qui ont, justement, je dirais bien, tout à l'heure je vais le dire, cet événement du 17 octobre, c'est une bataille, d'ailleurs c'est une bataille que politique effectivement. Jean-Luc Inaudi, justement, il a écrit un livre, le premier livre en 1991, La bataille de Paris, du FLN. Il y a eu une historienne, Linda Amiri, préfacée par Stora, La bataille de France, il appelle la bataille de France, justement. Mais là, c'est une bataille qui a été occultée. Là-bas, ils l'ont reconnue, mais ici, chez nous, jusqu'à présent, le 17 octobre, il passe, Journée nationale d'émigration, ou Hadek Mekan. Bon, malish. Alors, donc là, maintenant... Je reprends un peu. Alors, le 20 juin 1926, création de l'étoile noire africaine, ce que je vous ai dit. Le 20 novembre 1929, il a été dissout. En bas, il a été repris en 1933. Voilà. Alors, le 11 mars 1937, justement, création du Parti du peuple algérien, c'est ce que je vous ai dit, 45 jours après la dissolution de l'ENA. Eh bien, le 26 septembre 1939, dissolution du PPA, bien sûr. Voilà, hein. Alors, en 1946, création officielle du MTLD, ce que j'ai dit encore tout à l'heure, mais je vous donne quand même quelques... Alors, Boudiaf et Douche Mourad, le 23 mai 1952, je précise bien, parce que le sang des Algériens a coulé en France bien avant le 1er novembre.
Alors donc voilà, le 23 mai 1953, mort à Montbéliard. À Montbéliard, lors des manifestations organisées par les militants du PPA, MTLD, d'après les déclarations du journal L'Algérie Libre de l'époque. Voilà. Il y a eu 2003 militants tués, voilà, par la police, parce que toujours dans la manifestation, l'indépendance, etc. Pardon. Le 14 juillet 1953, voilà encore un événement connu, le 14 juillet en France, 14 juillet, c'est la victoire, bien sûr, la place de la nation qui est connue, et ben, des centaines avec les syndicats et tout, toute la France, elle est là. Et bien, Didouj Mourad et Mohamed Boudiaf, ils ont profité de l'occasion, ils ont envoyé là-bas 200 et quelques militants, avec bien habillés, pour faire une marche à la place de la nation, le 14 juillet 1953. Eh bien, ce 14 juillet 1953, ils ont rendu quand même le drapeau algérien, le drapeau, avec même la photo de M. Lihaj, puisque à l'époque, c'est ça. Alors donc, mais la police, justement, quand ils ont vu le drapeau algérien, ils étaient un peu perturbés. Eh bien, le préfet à l'époque, il était le secrétaire général de la préfecture, c'est Maurice Papon, toujours en 1953. Et il est revenu en 17 octobre 1961 pour faire des massacres. Voilà la répétition, justement, des crimes. Et bien, donc, ils ont tué 6 militants, justement, avec le 7e, c'est un Français de la CGT. Bon, j'ai les noms de Tahom. Et bien, dans le livre, j'ai mis les noms, non, les noms, parce que je les ai. Il y avait un cinéaste qui a fait un documentaire sur le 14 juillet 1953. Un documentaire, il l'appelle les balles du 14 juillet 1953. Les balles. Donc, c'est pas la. Voilà. Je l'ai ici, il fait 81. Je l'ai ici. Les balles du 14 juillet 1953. Voilà encore le justement. Alors, donc, il fait 80 minutes, justement. Alors, donc, avec ça, Mohamed Boudia a fait Didouj Mourad, puisqu'il y a eu ce crime. Et bien, les militants, donc, Matou, là-bas, ils ont salaw alayhom tma fil masjid tma fi Paris. Ils les ont ramenés sur le parti qui les a ramenés. Ils les ont enterrés respectivement, dans son lieu de résidence. Voilà. Et bien, c'est ça qui a encore ajouté à une préparation pour le 1er novembre 1954. Et bien, après ça, donc, il y a eu le CRUIA qui a été créé tout de suite après. Début 54, le Marouf, et bien donc le CRUIA, et bien ici, je vois ici le 1er mai 54, fête du travail, de puissantes manifestations dans plusieurs villes de France, Valenciennes, Lille, Sochaux, Nevers, Saint-Étienne, Paris, Vincennes, où les délégués du parti prennent la parole à Vincennes devant 30 000 personnes. Pour dire, voilà comment 30 000 personnes. Donc tout ça, ça a été. Alors, 52-54, la fédération du PPA-MTLD a été dirigée par Mohamed Bouziaf et Didouj Mourad, son adjoint. Ces deux responsables ont joué un rôle important et décisif dans la préparation de la lutte armée déclenchée le 1er novembre 1954. Voilà, ça, on revient ici. Maintenant, en janvier 1955, Mohamed Bouziaf a désigné Mourad Tarbouch, rahimahullah, avec Dou Mohamed Ben Salem et Abdelrahman Gras, voilà. Il les a désignés justement pour s'occuper de l'immigration, pour recruter pour le FLN l'immigration, puisque, voilà. Alors à partir de là, en 55, donc ça, ils ont commencé doucement. En 56, tandis que d'aller, moi j'ai adhéré en 55, pour vous dire, j'étais là, on m'a pris d'office. Comme insoumis, justement, à la caserne de Blida à l'époque, eh ben, j'ai pris le bateau, tout de suite FLN directement, encore dans la commune de Clichy. Ben, donc, la Fédération de France donc, l'a commencé à activer, à recruter, etc. Eh ben, mais on avait quand même des ennemis à l'époque, il faut dire le nom, malgré que c'est la Ghalb, eh ben, les ennemis, c'est le MNA. Mouvement national algérien créé par M. Lihaj en décembre 54. Deux mois après le 1er novembre 54, le parti a été créé spécialement contre le FLN. Il faut dire le mot carrément, parce qu'on a perdu beaucoup de militants, et une centaine de militants qu'on a perdu justement pendant cette période 55-56. On bat déjà maintenant 57. Je vous donne année par année, de façon à arriver justement au bout.
Eh bien, en 56, donc on a continué le recrutement, etc. Et encore se protéger vis-à-vis de nos frères. Voilà, la police nous a laissé, pour ainsi dire, Khalil al-Arab binato. Voilà le problème. Eh bien, donc en 57, il y a eu la grève des 8 jours. Le CCE, vous connaissez tous, bien sûr, le CCE, eh bien, ils ont décidé la grève des 8 jours. Moi, je dis grève des 8 jours parce que c'était la réalité. Moi, je l'ai dit à Médéa l'année dernière, justement, encore à l'université, j'ai parlé quand même de la grève des 8 jours. Et bien, un des étudiants, Galia Ousted, a raconté la bataille d'Alger. Alors, donc, imaginez comment nos enfants, ils ont appris l'histoire. L'histoire. Il s'agit de la grève des 8 jours. La grève des 8 jours, elle est destinée pour en France et en Algérie. En Algérie, 8 jours, un homme écrit, un homme écrit, etc. Et nous sommes en France, un homme écrit, puisque nous sommes écrit. Quand même, nous étions à l'époque 200 000 Algériens, et ben, ils ont quitté quand même les usines françaises. Et ben, il y a eu une paralysie de l'économie française, justement. 8 jours, personne n'a été travaillé, ça a été vraiment une réussite. Et ben, j'ai un document ici de Mohamed El-Bjaoui, rahimahullah, parce que Mohamed El-Bjaoui, il a été désigné par Abban Ramdan, justement, pour s'occuper de la Fédération de France à l'époque, pendant en janvier 57. C'est ça, justement. Il les a désignés parce que la plupart des responsables, ils étaient arrêtés. En bas de Roma, ils sont venus spécialement, justement, se préparer à cette grève de 8 jours. Voilà, donc, les deux, eh ben, Mohamed El-Bjaoui, dans son livre, il a écrit un livre, finalement. Alors, pour ce qui est de cet événement, alors, maintenant, la Fédération de France, je vous dirai quand même exactement sur quel plan, quel est son apport, justement, à cette révolution. Bon. Au plan politique, parce que la Fédération de France du FLN, forte de ses nombreux militants, a été le fer de lance de la lutte de libération nationale sur trois plans. Alors, sur le plan politique, elle a œuvré à transporter la guerre sur le territoire français, faisant prendre conscience à l'opinion française et à l'existence de la réalité de la guerre d'Algérie, souvent occultée par les gouvernants et les médias. Elle a permis aussi de mettre au devant de la scène internationale le problème de la guerre d'Algérie. Alors donc, au plan financier, elle a permis de contribuer à l'effort de guerre avec le recouvrement des cotisations, etc., etc. 80% du budget de guerre, il est venu de l'immigration. Ça, c'est les statistiques données par le dernier GPRA, Ahmed Francis Rahimahullah. Eh bien, il a donné les statistiques des finances, puisque lui, il était quand même ministre des Finances des trois GPRA. Alors donc, 80% du budget de la révolution, il est venu de l'immigration. Donc c'est là qui m'a galé واحد قال انتم طبقتوا الايه بسم الله الرحمن الرحيم اللي تقول جاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله جاهدنا بالاموال والنفوس. Voilà, c'est ça le problème. Alors Mohamed El-Bjaoui continue. Alors sur le plan de l'encadrement, il a transformé les prisons. Même dans les prisons, le FLN, il est toujours présent. Il a formé des cadres. Alors, sur le plan de l'encadrement, il a transformé les prisons avec les luttes menées à l'intérieur en véritable école d'apprentissage, de militantisme et de formation des cadres de l'organisation. Voilà, voilà. Et là, il a continué la conclusion. En Algérie, en tout cas, la parole ne pourrait être qu'à la guerre. C'est pourquoi la grève de 8 jours, notamment par la grâce de la cause des massues, apparaît aujourd'hui avec le recul comme une date capitale dans l'histoire de la révolution algérienne. Cette bataille politique a démontré à l'Assemblée générale de l'ONU, parce que l'ONU, il y avait le problème algérien qui était inscrit à l'époque, les Français refusent bien sûr, que les exigences d'indépendance et de souveraineté du FLN étaient réellement celles de la nation tout entière. Jamais depuis 1830, une action concertée, organisée, n'avait pu mobiliser sur l'ensemble du territoire et au sein de l'immigration en France, le même jour, au même moment, des millions d'hommes. Voilà, c'était l'événement. Alors maintenant, 57, voilà, j'arrive à 57. Bien sûr, nous sommes à 57. Et bien, cette grève-là, elle a fait, je vous cite quand même un cas qui est précis, que c'est palpable, je l'ai touché moi-même. Et ben, il y a eu des ouvriers qui travaillaient chez Renault. C'est à Boulogne-Billancourt.
Monsieur Renaud, il y a 200 et quelques Algériens qui travaillaient dans les chaînes de montage. Parce que l'Algérien, il est toujours dans les chaînes de montage, donc 8 jours sans travail, les chaînes de montage étaient à l'arrêt. Et bien, quand ils ont repris le 4 février, quand ils ont repris le travail, ils attendaient tous à être arrêtés parce que c'est le FLN. Ils deviennent automatiquement FLN. Voilà. Et bien, donc, quand ils sont arrivés là-bas pour pointer, pour rentrer, les ouvriers français, ils sont sortis à l'extérieur pour les attendre parce que la police les attendait aussi. Et bien, ils ont empêché la police, justement, de leur dire quoi que ce soit aux Algériens. Galoumana, c'est notre pain. Si ceux-là ne travaillent pas, nous aussi, on va chômer. Et voilà l'esprit. Et bien, donc, la police les a abandonnés, bien sûr. Et bien, ils sont rentrés, ils ont pointé, ils ont travaillé normalement. Et bien, puisqu'on leur a retiré les 8 jours, donc on leur donne la paye, la fin du mois, bien sûr, ils n'ont pas travaillé. Et bien, ils ont menacé, avec le syndicat, bien sûr, ils ont menacé, si on ne me paye pas, on va refaire la grève, ou là, on va partir, on va trouver du travail ailleurs. Ils ont fini, le syndicat a fait en sorte, on leur a payé les 8 jours, donc. Voilà, ça, c'est un apport. Et encore, l'enveloppe des 8 jours, et bien, Djabou, directement, ils ont fait don au FLN. Alors, ce n'est pas Meshit Tadhaya Hadi, justement, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et les Français, quand ils ont repris le travail, ils les ont attendus, avec une innovation, voilà, les Fellagas sont de retour, parce qu'à l'époque, c'était des Fellagas. Voilà, c'est ça. Alors, 57, maintenant, j'arrive à l'autre événement qui est très important. Et bien, Mohamed El-Bjaoui justement, et son compagnon, justement, ils les ont arrêtés. En février, ils étaient arrêtés. Et ben, mais ils ont créé quand même l'organisation spéciale, l'OS. Elle a été créée en France, justement, en février 57. Voilà, l'organisation spéciale. Alors, une cellule de militants, volontaires, fidéines, etc., pour les luttes armées. Voilà, c'est ça. Alors, après, tout de suite après, le 27 mai 1937, 1957, bien sûr. 1957, il y a eu une action armée très spectaculaire et qui a donné un bol d'oxygène à l'organisation, à l'OFLN. C'était l'affaire Ali Chkel. Ali Chkel, comme vous le savez, il était quand même l'Assemblée algérienne ici. Et bien, il a été pris, justement, amené en France pour l'envoyer à l'ONU, parce que l'ONU, ils allaient se réunir, bien sûr, pour défendre le problème algérien. Et bien, Ali Chkel, il est parti avec sa tenue traditionnelle, etc., pour dire, en Algérie, tout le peuple est avec la France, ceux qui sont dans les Jebel, c'est des, etc., etc. Bon. Alors, donc, le hasard a voulu, avant qu'il parle à New York, bien sûr, et ben René Coty, qui était président de la République, et ben il y a eu la Coupe de France qui se jouait à Colombes, au stade de Colombes. Et ben c'est le président qui devait donner le trophée, etc. Donc il a amené Ali Chkel en tant que Zaïb, voilà. Et ben mais les fidéines, enfin l'organisation avec l'OS, ils ont organisé justement une action armée contre justement Ali Chkel. En plein stade de Colombes. Et ben les trois militants fidayines, ils les ont disposés là où il faut, bien sûr, avec une organisation, avec un des trois, il est vivant, celui qui a tiré sur Ali Chkel, Mohamed Ben Sadouk, l'aide Krom El Khair et l'État Blidam, ce qui est normal, mais personne n'a abandonné, si on veut dire, dans le sens, voilà l'action qu'il a fait. Et ben donc. Ali Chkel, quand ils sont sortis du stade, et ben, les trois fidayens ils sont positionnés, chacun dans son endroit, bien sûr. Et ben, le hasard a voulu que Ali Chkel, quand ils sont séparés, il s'est séparé avec René Coty, qui a été pris son avion, justement sa voiture, et Ali Chkel avec son chauffeur et la voiture aussi. Et ben, donc, Mohamed Messadouk, il se trouvait dans la ligne de Ali Chkel. Même avec l'armada, tout ce qu'il a, il m'a dit, le pauvre jusqu'à présent, quand il raconte, c'est quelque chose, c'est mu'jiza, on va dire mu'jiza. Alors donc, je n'ai pas pu sortir mon flingue, comme il dit lui, sa Beretta. Il m'a dit, je n'ai pas pu la sortir tellement la police, parce que c'est le chef d'État qui était là, et bien il a fallu, quand il s'approche, avant, j'ai mis comme ça. Il a tiré comme ça, au hasard.
et bien la balle rate directement, elle est logée dans le cœur de l'Ishkan. Donc là, c'est vraiment un événement qu'il faut que nos enfants le connaissent, justement, c'est en France, en plein stade de Colombes. Colombes, c'est ça, oui. Et bien donc, voilà une action qui a fait sur le plan international, ça a été vraiment formidable. Le FLN, il peut cibler là où il veut, justement. Et bien, quand il a comparé devant le tribunal à l'époque, il a été condamné à mort, bien sûr. Et bien, le procureur, lui, quand il la raconte maintenant, il y a de quoi, justement, heureusement, vous n'avez pas touché le président de la République. Heureusement, ça veut dire, Malish, un arabe de Malish, voilà, vous voyez comment le colonialisme, comment il joue. Alors, Mohamed Ben Sadouk lui a répondu vraiment spontanément en lui disant, le FLN m'a donné ordre de tuer le traître, pas le président français. Moi, je ne connais pas. Voilà. Il a été commué à la peine à perpétuité. Voilà, donc, pour vous dire. Alors, Ma'arak al-Kobra, justement. Alors, en juin 57, je vais rapprocher un peu. C'est ça, justement. C'est les éléments Hadou qui ont ramené le 17 octobre. Alors, 17 octobre, je le laisse en dernier parce que c'est la dernière bataille, justement. Alors, donc, le mois de juin 57, bien sûr, Abban Ramdan Rahimahullah, puisqu'après l'arrestation de Ben Mehdi et son assassinat au Koulch, et bien le CCE, ils restaient 4 au mois. De Zouz Rahul Tunis, Zouz Rahul Maghreb. Ceux qui sont partis en Tunisie, c'est Karim Ben Qasim Allah Yarhamou et Ben Khadda. Ceux qui sont venus au Maroc, c'est Mohamed Boudiaf et Ousmane Mahmoudaf, c'est Abban Ramdan et Saad Haleb. Voilà, ils sont venus au Maroc. Alors, quand ils sont arrivés au Maroc, eh bien, c'est Abban, comme le comité fédéral, les deux, Belbjaoui, etc., arrêté, il a envoyé justement Omar Boudaoud. Omar Boudaoud, il est toujours la haït Kourou Belkhir. C'est lui qui l'a muté du Maroc avec une mutation que j'ai ici, qui est scannée dans le livre, datée justement du 10 juin 1957, signé Ramdan au nom du CCE. Voilà, elle est là, même tapée à la machine. Elle est là. Je peux vous la lire, mais elle est là. Je m'excuse si je me lance un peu dans ces détails parce que c'est ça qui pousse. Hein, là. C'est bon. Voilà, c'est ça. Je m'excuse. Hein. Si vous voulez que j'abrège pour arriver au 17 octobre, c'est pas, je crois que le 17 octobre, c'est la finale pour moi. Voilà. Alors, donc, je viens. Voilà. Alors, le document, il est là. Et ils sont tous là. Dans le livre, mon livre, il est plus documenté que... Voilà. Je n'ai pas voulu... Alors, c'est une mutation. Il est là, mais je ne veux pas quand même trop perdre du temps. Alors, il est signé de Ramdan, Wadak Makan, Omar Boudaoud. On lui a donné des instructions. Gallo, justement, quand vous arrivez, Omar, il a écrit ses mémoires, de comment il a mis tout ça, et ben, mais il faut que compléter le comité fédéral, faire comme ça. Alors, installez-vous en dehors des frontières françaises, parce qu'à chaque fois, les membres du comité sont arrêtés, l'organisation elle est disloquée. Alors, Gallo, il faut vous installer en dehors de la France pour diriger la Fédération de France. Et ben, c'est ça le Et en même temps, Gallo, préparez-vous au moment opportun à transporter la guerre sur le sol de l'ennemi, la guerre armée sur le sol de l'ennemi. Voilà, c'est ça c'est verbal qui lui a donné ça. Et bien, Omar, quand il est arrivé, il a pris les quatre Ramah, Qadour Ladlani, Oudou Marouf, Oudou Aziz, justement, Ali Haroun, etc. Rahoul Wahran, Ousmane Wahran, c'est justement à Colombes, justement en Allemagne. Ils sont installés en Allemagne. Je trouve l'idée de Abban Ramdan, depuis qu'ils sont installés là-bas, en Allemagne, justement en 57, jusqu'en 62, ils ont dirigé toute la révolution jusqu'en 62. Et qu'auparavant, à chaque fois qu'on arrête, les éléments de la fédération, il y a une dislocation. Et bien, l'idée, comment qu'elle a été conçue? Et bien, donc voilà, donc 57, c'est ça. Alors, donc maintenant, je fais un peu marche arrière pour 56 déjà. Le congrès de la Soumam. Le congrès de la Soumam, j'ai un communiqué ici que j'ai toujours scanné dans le livre, que j'ai repris dans le livre de Ben Youssef Ben Khadallah Rahmou. Alors, justement,
Alors c'est un message aux responsables de la fédération du FLN en France envoyé par le CCE justement. Alors donc le document officiel il est là. Alors il est signé par Ben Mehdi, Krim Belkacem, يعني هذا هو معلومة عبان رمضان وترازيان بوزيسيون وعمران زيرو توسف بن طوبالي سي شريف سي علي ملاح فوالا افيك لو سيناتور الوغ دا لو دوكيمون كو تيل كيلي il demande à la fédération du FLN en France même l'appellation maintenant il y a un quiproquo dans l'appellation حنا on dit la fédération maintenant on dit couramment la fédération de France du FLN mais d'après le communiqué aux responsables de la fédération du FLN en France بالعربية بالعكس بالعربية نقولوا فيدرالية جبهة تحرير الوطن في فرنسا et en français Fédération de France du FLN où le document il parle Fédération du FLN en France peut-être on va dire c'est un détail mais il a son importance pour moi voilà et pour vous c'est alors dans lequel ils disent bien il est bien tapé à la machine c'est Abdan Allah Yarahmo dans les ordres qu'il a donné éliminer les messalistes il l'a dit textuellement, éliminer les messalistes, justement, et en même temps, si vous n'avez pas les moyens, on va vous envoyer des agents d'ici, d'Alger, justement, d'Algérie, bien sûr, pour s'occuper, justement, de cette mission-là. Voilà, elle est bien, bien, bien claire. Et en même temps, parce qu'à l'époque, pendant les années 55-56, il n'y avait pas une organisation structurée, etc. C'est encore Mzel Chouya. Alors, donc, chaque village et ramasse des cotisations et les envoie dans leur village respectif. Voilà, pour donner à la Hélène à l'époque. Et bien, le document, il dit maintenant, à partir de maintenant, centraliser justement toutes les cotisations. Il faut désigner quelqu'un, celui qui les centralise. On vous envoie des agents avec un mot de passe, justement, pour qu'ils s'occupent justement de centraliser cet argent et de savoir comment le voilà. Ça, c'est en 56. Bon, 56, maintenant 57. Alors, et en même temps, la plateforme justement du congrès de la SOMAM, il y a trois objectifs justement assignés à la fédération du FLN en France. Trois objectifs. Pas, ils sont simples, mais andoum. Alors, donc, le premier, structurer toute la migration en Europe, parce qu'on dit Fédération de France, mais tous les militants, tous les Algériens qui travaillent en Europe, ils font partie justement de cette fédération, justement. Alors, il y a eu en Allemagne, il y a eu en Belgique, il y a en Espagne, il y a tout ça, en Italie, tout ça. Donc, ceux-là, ils sont structurés au sein de la Fédération de France, en Europe. Deuxième point, soutenir justement l'effort de guerre financièrement. Troisième point, justement éclairer l'opinion française et étrangère. Les trois points, on les a appliqués à la lettre. Alors la structuration, à partir justement de 50, de la grève des 8 jours, tous les Algériens, justement, ils sont rentrés dans les rangs. Et en même temps, même il y a des messalistes quand même qui ont dévié, qui sont rentrés. Mais si il restait les ERR, justement. Et bien, quand on a structuré tout le monde, dans 57, on a structuré tout le monde, justement. Alors, donc, les finances centralisées et tout ce qui s'ensuit. Alors, donc, maintenant, j'arrive à. Bon, je termine avec 57 parce que c'est une chaîne, justement. 58, c'est l'année charnière, je dirais carrément, avec des événements très, très importants. Alors, janvier, février, chaque mois, il y a un événement important. Important jusqu'à décembre. Je vous cite quelques mois pour ne pas y aller. Alors, le mois de janvier, en toute modestie, je ne veux pas parler de moi, mais j'étais arrêté moi-même le 8 janvier 1958. Alors, les journaux français, ils ont fait tout un truc. Alors, on a arrêté un dangereux, etc., etc. Et même les articles de journaux de l'époque, je les ai scannés pour essayer de donner la crédibilité justement à mon écrit. Bon. Alors, donc, en février, De Gaulle, Il a déclaré, avant qu'il soit au pouvoir, bien sûr, il a déclaré justement à un de ses amis, Gallo, parce qu'il a été sollicité pour qu'il remplace Kodi, effectivement, les peignoirs surtout qui l'ont demandé. Alors, Gallo, en février, il a fait une déclaration, mais à titre privé. Gallo, si je reprends le pouvoir un jour, eh ben, la République va changer de numéro et le FLN n'existera pas. Voilà ce qu'il a dit De Gaulle, justement, en février 1958.
Donc il n'existera pas parce qu'il me rit, justement. Et bien, donc, alors ça c'est février, mars 58, Michel Debré, le Premier ministre, avec Roger Frey, ministre de l'Intérieur, ils ont fait venir de Constantine Maurice Papon, le Safah, justement, le criminel, il était préfet de gamme de Constantine. Il a été rattrissé, comment tuer, comment faire, etc. L'histoire du massacre du 20 août 55, il était là-bas. Il était à l'égard de Constantine, justement. Voilà, ils l'ont ramené à Paris comme préfet de police pour tuer l'UFLN. Quand on sort de Paris, et bien Debré, lequel je vous ai ramené de Constantine à Paris, mais pour mêler, justement, pour me nettoyer Paris des tueurs de FLN. Voilà la directive de Debré. Et Papon, il a transmis le message à sa police, bien sûr. Galoum, justement, à la police, réglez vos comptes personnels avec les Algériens, vous êtes couverts par pouvoir. Donc, Akhtelouskout, voilà l'esprit de. Alors, c'est en mars. Alors, en avril, qu'est-ce qui s'est passé en avril? Un événement très important pour notre révolution. Pour l'histoire même de la révolution, et bien l'équipe de football du FLN, qui est les jeunes maintenant, l'équipe de football du FLN, c'est en avril 58 qu'elle a été créée. Alors tous les grands joueurs, les Mkhloufi, etc., ils sont connus, et bien ils ont laissé leur club respectif, ils sont partis en Tunisie, c'est par le biais de la fédération, bien sûr, du FLN qui les a aidés à partir. Et bien, arrivés en Tunisie, ils ont déclaré, classe, on va constituer l'équipe du FLN. Voilà, l'équipe du FLN. Et bien, c'est là aussi, il a joué un rôle très important qu'on a tendance à minimiser, mais il a joué un rôle puisque dans tous les pays où ils ont joué, ils ont exigé le drapeau algérien et l'hymne national pour jouer. Alors à l'époque, c'est quelque chose, c'est énorme, justement, d'avoir l'apport qu'ils ont ramené. Et bien, même les clubs français, surtout les grands clubs, justement, où jouaient les Mkhloufi, les Maouch, etc., ils sont connus. Donc ça a fait vraiment une autre bombe, justement, contre la France. Et bien, bon, c'est là, ça c'est connu, alors c'est mars, avril, le mois de mai. Qu'est-ce qui s'est passé le mois de mai? C'est les peignoirs ici qui ont fait la marche le 16 mai qui m'a semé au Hama. Ils ont demandé De Gaulle, que De Gaulle vienne au pouvoir, contre Coty, bien sûr. Et bien, il sera beau De Gaulle, c'est lui qui va les protéger. Et bien, ça, c'est le mois de mai. Le mois de juin, justement, il y a eu quand même un événement. L'événement du mois de juin, c'est ça, l'événement. C'est De Gaulle qui est venu au pouvoir le 1er juin. C'est 58, De Gaulle a été rappelé au pouvoir en tant que Premier ministre, effectivement, ministre, mais avant, en bas, il a été élu président de la République en décembre 58. Et bien, donc, quand il est arrivé De Gaulle, il a mobilisé quand même, 800 000 hommes qu'il a mobilisés pendant son règne, quand il est venu au pouvoir, pour écraser, comme il a dit, le FLN n'existera pas. Et bien, il a 800 000 hommes qu'il a mobilisés. Et bien, ça, c'est l'ALN, d'ailleurs, les moudjahidines vivants, les colonels, ils ont dit vraiment, on n'arrive pas à souffler, justement, avec toutes les opérations jumelles, ceci, cela, etc. 800 000 hommes. Alors, donc, ça, c'est le mois de juin, c'est ça, oui. Le mois de juin, alors, juillet. Et bien, avec ce qu'il a fait, et bien, Farhat Abbas, Allah yarhamou, justement, voilà, il faut aussi, parce que Farhat Abbas au Caire, il a fait partie, justement, du CCE élargi, parce que le CCE de 5, puisqu'il y a eu Ben Mehdi, Allah yarhamou, Mat, Mokaw, Rabba, mais ils l'ont fait avec d'autres membres, ils se sont retrouvés à 9. Et bien, Farhat Abbas, il était quand même le porte-parole, l'Oqtadak. Et bien, il a déclaré au Caire, que justement, si De Gaulle continue à faire la politique de ses prédécesseurs, et ben le FLN justement décide dans un cadre qui consiste à transporter la guerre sur le sol d'ennemi pour la libération de l'Algérie. Voilà, j'ai cette déclaration, je l'ai ici justement. Il a même Redamel qui l'a reproduite là, justement dans son ouvrage. Et ben donc cette déclaration pour mettre encore De Gaulle devant ses responsabilités. Et ben donc là. On s'est préparé, c'est-à-dire la Fédération du FLN en France,
compte tenu de ce que Abdan déjà a laissé comme consigne, eh ben, il y a eu des volontaires, plus d'une centaine de volontaires fidéines envoyés au Maroc et en Allemagne pour faire justement un stage de paramilitaire. Alors un stage. Ils ont fait un stage, ils sont revenus. Eh ben, en France, eh ben, on devait déclarer le second front armé le 20 août 1958, justement, il s'occupe de l'organique du comité fédéral. Galé, on a prévu le 20, parce que pour laisser 20 août 1955, 20 août 1956, ça sera le 20 août 1958. Ça veut dire pour. Alors, et le 20 août. Il faut savoir pourquoi le 20 août. D'ailleurs, il y a des étudiants qui ont posé la question, pourquoi 20 août? Voilà, le problème il est là. Le 20 août, parce que le 20 août 1953, le sultan du Maroc a été justement il était à Brazzaville, Dawa. Brazzaville. Alors c'est pour ça, en solidarité avec les Marocains, ils ont pris le 20 août, le Zoua Matana. Voilà, c'est ça la finale année de ça. Et bien, donc le 20 août, au lieu que ce soit le 20 août 58, et comme il y a eu la préparation, elle est un peu difficile, et bien ils ont poussé au 25 août. Le 25 août 58, à 0 heure, un second front armé est engagé en France. Le second 1er novembre, voilà, est engagé en France. Et encore, la cible qui a été, c'est Abban, qui ont donné l'idée, le pétrole. Il faut attaquer le pétrole. J'ai un communiqué ici, justement, du CCE, un communiqué du CCE. Je vais vous lire juste le premier, le CCE, daté de communiqué paru dans le journal Moudjahed, numéro 29 du 27-9-58. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dans la nuit du 24 au 25 août 58, les commandos algériens de France ont attaqué un certain nombre d'objectifs stratégiques situés sur le territoire français selon un plan établi et surpris complètement l'adversaire. Bon, là c'est le début. Maintenant, le communiqué, il est long. Voilà. Voilà, pour dire, le 25 août 58, c'est un 1er novembre bis. Voilà, il faut dire. Et encore, cibler, la première cible, c'était le pétrole. Pourquoi? Parce que, paraît-il, d'après les dires et les écrits, parce que Abban, pendant le congrès de la Soumam, la France, elle a découvert le pétrole en 1956, justement. Alors, comme il n'y a pas de raffinerie, donc les raffineries, elle envoie en France brute. Alors, raffiner, il revient ici à son armée pour tuer les Algériens. Le pétrole, il revient pour nous tuer, il viendra le jour où on va le brûler en France. Et bien, la première cible du 25 août 1958 à minuit, à 0 heure, comme le 1er novembre 1954 en Algérie, et bien, c'était les raffineries. La raffinerie de Morépiane, puisqu'on entend parler, justement, 140 000 mètres cubes, ils étaient enflammés à 0 heure 15 minutes. Ben, même ça. Et encore, le plan de ces raffineries, il y a eu 10 raffineries en France, ils étaient enflammés, ça veut dire les jours suivants. Eh bien, sans être un peu exigeant dans le sens, eh bien, grâce justement à l'aide qu'on a eue avec les Français. Il y a eu même des militaires qui travaillent avec nous, qui a justement dans le réseau Janson, le réseau Curiel, etc. C'est eux qui nous donnent des informations, c'est eux qui nous guident justement pour faire ces actions armées. Eh bien, c'est le réseau des porteurs de valises qui met au moment. Voilà. Et bien, donc, les raffineries, vraiment, ils étaient enflammés. Il y a eu 10 raffineries, j'ai les noms et tout, c'est connu. Et bien, donc, surtout celle de Morépian, c'est la plus importante. Et bien, il y a eu le maire de Marseille à l'époque, Gaston Defer, 20 ans ou un maire de Mar, donc il a été quand même, quand ils ont pris ça, il a été justement en tant que maire et en même temps avec les autorités pour voir. Il est arrivé à la raffinerie, paraît-il, même les journaux français l'ont dit, il s'est aventuré, il y a eu la flamme qui l'a touché déjà, lui-même, en tant que maire. Et bien, le journal de l'époque, le Provençal, le journal de Marseille, le lendemain, le 26, il a mis en rouge, justement, c'est une catastrophe nationale. Voilà, il a mis ça, catastrophe nationale. Voilà, donc le FLN, il a traversé la Méditerranée avec ses armes, justement.
Et bien, donc, cet événement aussi, le 25 août, c'est ça. C'est celui-là, justement, qui a ramené le 17 octobre. Maintenant, je vais essayer d'abréger pour ne pas, peut-être... je m'excuse. Ah oui. Alors, donc, cet événement, qui est une deuxième guerre en France... Et ben donc ça a été le général Giap justement qui les a sortis d'Indochine comme vous le savez avec la bataille d'Yen Bien Phu. Sa déclaration, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est la première fois dans l'histoire des peuples qui luttent pour leur indépendance que le colonisé porte la guerre sur le sol du colonisateur. Alors là, et en même temps il a ajouté ce colonialisme, le colonialisme, c'est un mauvais élève qui n'apprend pas ses leçons. Voilà, donc donc c'était une vérité. Il y a eu un militaire français, justement, il a écrit en 2000, il a écrit un livre, un militaire, il était même parachuté, c'est un parachutiste plutôt. Il a écrit un livre, et ben, j'ai la copie bien sûr. Alors comment il porte en tête 7 ans de guerre en France, ça c'est le titre du livre, 7 ans de guerre en France contre le FLN frappé en métropole. Il a mis la photo de Morépiane justement sur la couverture. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Et encore, il a commencé par traduire un verset du Coran. Alors, celui qui a un témoignage à donner, qui l'a caché, il est coupable à l'égard de Dieu. Non, il est puni par Dieu. Alors, donc, il a dit verset du Coran, numéro. Alors là, ça a été un peu. Alors, mais ce verset du Coran, après, c'est connu, bien sûr. Surat al-Baqarah, Tadar al-Shahada, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa la tiktumu shahada, wa min iktumu hafayna, wa atimu qalbuhu, wallahu bima ta'amaloun, alim, wa sadaqallahu al-adim. Voilà, yani, là. Et en même temps, dans son préambule du livre, il a dit quand De Gaulle est venu au pouvoir, il a mobilisé 800 000 hommes. C'est lui qui l'a dit parce qu'il a des statistiques. 800 000 hommes. Le FLN étouffe chez lui, mais il a transporté la guerre sur le sol de l'ennemi et c'est de là qu'il va la gagner. Voilà. Son livre, je l'ai. Il est vendu. Il n'y a pas de... vive la liberté d'expression. Et bien, donc, il a reconnu que c'est ce qui s'est fait en France, c'est ça qui a dérangé la France. D'ailleurs, même c'est Reda Malek Lahermou, il a écrit justement, d'après un Français, Gallum, quand il se passe quelque chose en France, le FLN, une petite rue, une marche de rien du tout en France, il est connu sur le plan international. Une grande bataille en Algérie, il est méconnu. Il n'est pas connu parce qu'il n'est pas, il n'y a pas, personne ne dit, c'est tout verrouillé, il n'y a pas de problème. Donc les actions qui sont passées en France, sur le plan international, ils sont connues. Et bien, donc, à partir de là, et ben, donc, nos fidèles, ils ont continué leur travail, bien sûr. Il y a eu des morts, il n'y a pas eu de trucs. Et bien, c'est en 58. Alors, en 59, maintenant, j'arrive pour arriver à 61. Alors, en 59, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les fidèles continuent leur travail. Les casernes, parce que les objets, justement, les directives reçues, justement, par le CCE, avant le GPRA, et ben surtout les objectifs militaires et économiques. Attention les civils, ils ont répété plusieurs fois, attention les civils, il ne faut pas mettre les bombes partout, il faut les militaires et économiques, uniquement. Alors donc, ces actions-là, ils ont continué leur cours, et ben jusqu'à en 59, De Gaulle ne se retrouve pas. Parce qu'il a été élu président de la République en décembre 58. Michel Debré est toujours Premier ministre. Et ben donc, en 59, il a fait un pas. Parce qu'avec tous les moyens qu'il a fait, le FLN, il est là, il est présent. Il est présent parce que, je dis encore, il faut rendre hommage à toutes les Françaises et Français qui ont travaillé avec nous. Parce que le réseau Johnson, etc., on ne les a pas rendu hommage comme il se doit. Parce que même maintenant, il faut le reconnaître. Et ben donc, en 59, il a poussé un peu. Et ben de Papon avec Debré et Frey, ils ont pensé au Hadoum. Ils ont ramené 500 harkis d'Algérie. 500 harkis d'Algérie, ils les ont placés à Barbès,
la casbah de Paris qui m'est mise 500 harki, ils sont venus d'Algérie, justement, spécialement, on n'a pas de harka. On dit carrément, ce qu'on voit, il yani, y en a qui bricolent avec la police, etc. Mais dès qu'il est détecté, il passe à la casserole. Il n'y a pas, pas de tribunal, il n'y a pas de truc. Voilà. Donc, on a dit, on a même le Jazair. واحد الضابط هنا نتاع الجيش على ليبوك قال لي وعلاه تقول جا من الجزائر قلت له ما جابهمش من جهه اخرى اي سون فيني دالجيري بيان سور الو اي سون فيني دالجيري سان سو حركي اي لو ميم لا توني تاعهم سي اون توني لي كالو بلو يسميوهم اون توني سبيسيال سي با لا توني دو دو لور بوليسيي فوالا سبيسيالمون اي با انكادري بار دو اوفيسي فرونسي Ils font des rafles, ils font des trucs, mais des massacres, pas des rafles, ils font des massacres. Et bien la scène, justement, qu'on parle justement dans le 17 octobre, et ben nos militants, la plupart des militants, ils étaient juste à la scène bien avant le 17 octobre, justement. Parce qu'on a dans les rapports organiques, pour l'effectif, justement, quand les cotisations, quand les éléments s'absentent, ils changent de domicile, on est informé. On est informé. Mais après, on a trouvé que des militants ont disparu. Alors c'est après qu'on s'est su, mais finalement, ils les ont tués, ils les ont jetés à la Seine. Dans les années 59, 60, etc. 61, c'était la finale, je dirais un mot, carrément. Et bien donc, alors De Gaulle, ils ont fait venir les SMO. Au De Gaulle, et bien, en septembre, en juillet, les 500 harkis en juillet. Alors en septembre, le 16 septembre, justement, 1960, bien sûr. Alors, De Gaulle a prononcé le fameux autodétermination. Alors, il a changé de maintenant de langage, l'autodétermination, parce qu'il n'a pas trouvé d'issue à cette histoire. Eh bien, l'autodétermination, ça, c'est son affaire. En 60, dans 59, voilà, septembre, en 60, il y a eu le procès des porteurs de valises. Le 5 septembre 60, justement. Le 5 septembre 60. Et le procès des porteurs de valises. Alors, les porteurs de valises, c'était le réseau Janson. Mais il y a eu quand même une dizaine de Français jugés encore au tribunal militaire. Ce n'est pas. Alors, avec les responsables de l'OS, arrêtés Mahoum, ils étaient justement au tribunal militaire. Et bien, donc, c'est en septembre. Et eh bien, en septembre 60, c'est ça, oui. En décembre 60, justement, j'ajoute un peu, en décembre 60, De Gaulle, il est venu à Intemouchent, le 9 décembre 1960. Et eh bien, Intemouchent, c'est là où il a déclaré l'Algérie algérienne, voilà, c'est ça. Il a changé de musique, quoi. Avant, il était française. Quand il est arrivé, il a l'Algérie française, Dunkerque à Tamadrasset, voilà. Maintenant, le 9 décembre, à Intemouchent, l'Algérie algérienne. Voilà. Non, l'Algérie algérienne, effectivement. Alors, donc, il ne sait pas quoi doit faire maintenant. Maintenant, 61. J'arrive à 61. Et bien, le 9 janvier 1961, De Gaulle a fait un référendum pour les Français, en France seulement, pas en Algérie. Les pays noirs, ceux qui sont alors, il a demandé aux Français, justement, si, justement, vous acceptez l'autodétermination. Maintenant, il revient à ce qu'il avait dit déjà 6 mois avant. Est-ce que vous acceptez l'autodétermination? Il a obtenu quand même une large majorité, plus de 70% de oui, justement. Alors, l'autodétermination, puisque maintenant, l'Algérie, on disait qu'elle est française, maintenant, elle est algérienne. Alors, donc c'est terminé. Et bien, donc, le mois de janvier, le mois de février, le 15 février 1961, et bien, l'OAS a été créé à Madrid, contre De Gaulle, parce que De Gaulle, elle commence à lâcher. Et bien, l'OAS a été créé à Madrid le 15 février 1961, justement. Alors, contre la politique de Gaulle et contre le FLN, bien sûr. Et bien, De Gaulle, en mars, le mois de mars, il a demandé, justement, de prendre contact avec le GPRA. Et bien, il y a eu un contact, justement, le livre de Serre d'Amérique, la Rahmou, justement, il est bien précis avec la date, le nom des délégués au Koulouch. Alors, ils ont pris contact, délégation contre délégation. C'est là où ils ont décidé, justement, de commencer les négociations à Évian le 7 avril 1961.
C'est pour ça qu'on dit, il y a Évian 1 et Évian 2. Évian 1, c'est, ils ont décidé, ils vont commencer les négociations. Alors donc, alors le 30 mars, hein, une semaine après, ils devaient reprendre des négociations à Melun, à Évian. Et bien le 31 mars, et ben, la loi S, ils ont tué le maire d'Évian, Camille Blanc. Il a été tué par l'OS chez lui le 31 mars, justement. Pourquoi qu'il accepte à ce que le FLN vient chez lui, etc., dans sa commune. Voilà. Il a été tué, Camille Blanc, il a été tué par l'OS. Donc le rendez-vous, il a été reporté dans les négociations. Jusqu'au 20 mai, le 20 mai, il y a eu quand même une rencontre encore. Le livre de Cédric Marat qui donne plus de détails parce que il a vécu les événements. Bien sûr, dans le livre L'Algérie à Évian, il est très, vraiment très net. Et ben, le 20 mai, donc, il y a eu la rencontre. Et ben, après la rencontre, ils se sont mis d'accord, justement. Ils ont mai, juin, juillet, des rencontres, ils se séparent, etc., etc. Jusqu'au 28 juillet. Le 28 juillet, la délégation a quitté la table de négociation, la délégation du GPRA, parce que de Gaulle, il a exigé, on discute sur l'indépendance de l'Algérie du Nord, mais le Sud, le Sahara, Khateko. Alors le GPRA, il n'était pas question, l'intégrité du territoire. Alors ils ont quitté la table de négociation le 28 juillet 61. Et bien donc, juillet 61, alors le mois d'août, justement, je vous donne maintenant j'arrive au 17 octobre, hein, parce que c'est ça qui a... Alors le mois d'août, août et septembre, c'est des mois rouges pour nous à l'époque. Nos fidéines, malgré le travail qu'ils font, mais on a eu des massacres. Les Harkis, ils ont fait des massacres. On a perdu des dizaines d'éléments, hein, plus les prisons, plus les camps, etc., etc. Alors c'est les deux mois les plus difficiles. Surtout qu'ils savent que De Gaulle, il avance. Alors ils veulent justement couper ce que De Gaulle a pensé. Et bien, donc, ces deux mois-là, le mois d'août, justement, 50-61, et bien, le ministre de la Justice, à l'époque, Edmond Michelet, a démissionné. Il a démissionné parce que lui, il est libéral, quand même, par rapport aux autres. Il a démissionné parce que Debré lui a reproché, parce que quand il était ministre de la Justice, il a quand même cédé sur certains, justement, pour le régime politique, pour les détenus algériens. Un peu de régime politique, ça veut dire un peu de régime, un peu de souplesse, justement. Alors, tant que pour les Reda et De Gaulle et Debré, il a refusé ça. Gallo, on est en train de lutter contre le FLN, et le FLN existe même au sein du gouvernement français, en faisant allusion à Edmond Michelet. Edmond Michelet, comme il sait que c'est lui qui a démissionné. Et De Gaulle a refusé sa démission, mais parce que c'est un ancien résistant, et ben, mais Gallo, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je pars parce que je ne peux pas travailler avec des gens comme ça, avec Frey, etc. Donc il a démissionné, mais les mois, donc on les a vécus difficilement. Pour vous dire, même Nedam Tana, Rahifchel, la Galbi, avec tous les moyens qu'on fait, il a les. Alors c'est pour ça, et ben, justement. J'ai sauté un peu, mais j'aime quand même clarifier parce que ça... Alors, en 58, quand j'ai dit on a déclenché le second front armé, le 25 août, le 1er septembre 58, Papon a décrété un couvre-feu. Le couvre-feu à 17 octobre, c'est le deuxième. Alors, le premier couvre-feu, c'est le 1er septembre 1958. Les Algériens n'ont pas le droit de sortir la nuit à partir de 20 heures, jusqu'à 5 heures du matin. Eh bien, nous, à l'époque, si on ne travaille pas la nuit, c'est difficile, on étouffe. Eh bien, nous, on a reçu des ordres, justement, de continuer quand même, de marcher, de sortir, quelle que soit l'issue. Alors, armez vos militants ou kharjou. Eh bien, donc, on a essayé de résister, mais il y a eu beaucoup de morts, etc. Eh bien, finalement, ça a fait... On a boycotté, justement, cette directive. On a réussi quand même, parce que sur le plan international, c'était énorme. Parce qu'un basané dans la rue, il me chifflait les khtlou, sans savoir s'il est algérien ou là. Il y a eu même des Italiens, etc., qui ont été tués par bêtise, justement, parce que le temps africain, algérien. Et bien, donc... Le 15 septembre 1958, et ben, nos commandos,
justement, ils ont fait une action contre Jacques Soustelle à la place de l'Étoile, à l'avenue Friedland. Il était ministre de l'Information à l'époque. Soustelle, bon, Alger française à outrance, bien sûr, eh ben, il a été quand même pris par les fidéines. Il a échappé, mais quand même, il a été blessé d'une manière ou d'une autre. Justement, il a goûté au FLN. Eh ben, les trois militants qui sont au cuir sont encore vivants, sont vivants encore. Personne n'en parle. Mais allez, je me sais qu'ils étaient condamnés à mort et tout. Eh ben, donc, le 4 jours après, le 19 septembre 1958, j'ai posé la question dans les universités et tout. Et ben, rares, ils n'ont pas répondu. Le 19 septembre 1958, le GPRA a été créé, justement. Voilà, justement. Le GPRA a été créé parce que c'est maintenant la guerre en Algérie et en France. Classe, maintenant, il a été créé. Et ben, donc, bien sûr, au Caire, comme c'est dit, et ben, donc il a été créé. Et ben, en octobre 1958, moi, j'aime pas parler de moi parce qu'avec toute la modestie, j'aime pas parler de moi, mais je suis obligé de dire quelque chose parce que moi, j'étais en prison. Quand il y a eu le second front armé, je me trouvais en prison. J'étais arrêté en janvier 1958, j'étais libéré en mars 1961. Et j'ai repris mes activités à la wilaya de Paris, où j'ai participé au 17 octobre. Alors donc, le 8 octobre 1958, les cinq ministres, puisqu'ils ont créé le GPRA, les cinq qui sont à l'infirmerie à l'époque, Boudiaf, Lahirahmo, Urbaa, ils étaient quand même ministres d'État. Ibn Bella, vice-président. Voilà, ça c'est connu. Et bien donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé ils nous ont envoyé un document par le billet de Mourad Ousdeq Lahirahmo, tous les avocats d'Anna. Et bien un billet, ça veut dire dans lequel il faut que tous les détenus qui doivent comparaître devant le tribunal à partir de maintenant, ben là, c'est un apport encore. Il faut qu'ils fassent une déclaration politique. Voilà, le document, il est là. Alors, donc, il est là, il faut qu'ils fassent une déclaration politique. Et bien, ceux qui peuvent l'apprendre par cœur, parce qu'il faut le réciter devant le tribunal, il n'y a pas à prendre des papiers, il faut le réciter. Alors, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'ont pas le réciter comme ça, ceux qui, alors, soit il va dire directement, ou ma khaléoum, ils traduisent, il va dire, ma sta'arfouch bikoum, adna hukouma. Donc, adna hukouma, ma sta'arfouch bi France. Ça, on arabe. Belkbel, il y a même en amazigh, il faut le dire. Alors maintenant, comme j'étais en prison avec Bachir Boumazal, justement, et d'autres militants quand même de là-bas à Afrin, Maître Sdek, il a fait en sorte pour que celui qui m'a défendu, il défend tous. Alors donc, on m'a condamné à 2 ans en bad. Il a fait en sorte pour que je passe en appel. En octobre, je suis passé en, le 8 octobre, je suis passé en appel. M'excuse. Alors on appelle. Alors il était derrière moi. Galé Mourad, il vient au parloir tous les jours, il me rend visite. Alors récite. Alors il m'a donné le texte, bien sûr. Il faut l'apprendre par cœur et le réciter devant lui pour qu'il est lent. Hein, il n'est pas vraiment. Mais l'organisation Galé, Nedam Galé, il n'y a pas de. Même Yusuf Khattallah, dans le journal Moudjahid, ils l'ont cité après. Ben, cette déclaration, et ben, donc, le 8 octobre, quand il m'a expliqué, Mourad Ousdeq, comment ça va se passer et tout, et ben, devant le tribunal, puisque je ne suis pas le seul, il y a d'autres qui passent en appel comme moi, et ben, Galine Taïa, voilà, donc, quand le procureur, voilà, le président, il prend ton dossier, parce que j'étais condamné à 2 ans, j'ai fait appel, alors qu'est-ce que vous avez à déclarer? Galine, tu es debout en tous les cas, tu ne peux pas te mettre debout, tu es debout, alors tu commences. Alors tu commences, et je crois, yani, pour me faire plaisir, pour me rappeler ma mémoire, et pour en même temps votre yani, honorable assistance, je vais vous la réciter maintenant avec 58 ans de recul. Justement, cette déclaration, que je n'ai pas l'intention de, yani, la prétention de dire c'est moi qui l'a fait, mais parce que il a été bien rédigé, justement, pour que le tribunal ait encore. Ça a été dit pour toute la détention en France. Là où il est, il faut qu'il les déclare. Alors maintenant, je vais vous la réciter avec beaucoup de
Bon, alors, justement, je me permets, parce que je ne peux pas la réciter assis. Ça, c'est, il faut que je sois debout, comme à l'époque au boxe des accusés. Voilà, alors. Vous avez à déclarer. Eh bien, moi, j'ai commencé. Monsieur le Président, nous sommes des Algériens. À ce titre, nous n'avons fait que notre devoir au service de la révolution de notre peuple. Nous nous considérons comme des soldats qui se battent et savent mourir pour leur idéal. Ainsi, nous faisons partie intégrante de l'armée de libération nationale. Nous avons des chefs à qui nous devons obéissance. Nous avons un gouvernement, il me l'a répété, Gali, il faut mettre la virgule et continue. Nous avons un gouvernement provisoire de la République algérienne qui est le seul à nous administrer sa justice. Quel que soit votre verdict, justement, nous sommes convaincus que notre cause triomphera parce qu'elle est juste et parce qu'elle répond aux impératifs de l'histoire. Nous déclinons ainsi la compétence du tribunal français. Alors, pour la mémoire de nos martyrs, nous allons observer, mes compagnons et moi, les minutes de recueillement à la mémoire des martyrs algériens morts pour leur patrie. Alors là, ça a fait. Alors, donc, et Maître Sidek, quand il dit ça, il s'est levé. Où est Maître Ben Abdallah Rahmo? Ils sont levés avec leur robe. Et bien, le président, Gallo, non seulement votre client, il nous insulte, et vous vous êtes levé. Gallo, Maître Sidek lui a répondu. Gallo, du moment qu'il a parlé de martyrs, dans cette sale guerre, moi je considère tous ceux qui sont là-bas, soit français ou algériens, c'est des martyrs. Alors, Maître Sidek, Allah yarhamou, hein. Alors là, en bas, moi j'ai continué jusqu'à la fin. La minute de silence, en bas, le recueillement. Vive l'Algérie libre et indépendante, vive le Front de libération nationale et son ALN, vive la République algérienne, vive la révolution algérienne. Voilà. Donc, 61 maintenant, on arrive justement le août et septembre, les mois rouges, comme j'avais dit tout à l'heure. Et bien, donc. Nous, on n'a pas, puisqu'on nous a vraiment étouffé, l'organisation a été étouffée, hein, parce qu'ils ont mobilisé quand même des centaines de policiers, etc., pour que la nuit. Alors, donc, ils nous ont décrété le deuxième couvre-feu le 5 octobre 1961. Alors, le gouvernement français, Debré, etc., ils ont. Et justement, même De Gaulle, ils ne l'ont pas, même pas informé. C'est après, on lui a posé les questions après. Gallum, c'est pour ce qui est des massacres du 17 octobre. Gallum, ce n'est pas, qu'est-ce qu'il a dit, ce n'est pas normal, mais c'est secondaire pour lui, c'est secondaire. Puisqu'il y a eu des morts, ce n'est pas cela qui va nous gêner maintenant. Bon, alors donc, là, on a écrit des rapports justement à nos responsables, parce que ce couvre-feu qui nous a été décrété, c'est le deuxième couvre-feu, à partir de 20h jusqu'à 5h30 du matin. Alors, et encore, ils nous ont donné un nom, parce qu'ils nous ont donné FMA, Français musulmans algériens. Les Français musulmans algériens, c'est un communiqué à la presse, hein, diffusé par par Papon, le préfet. Les Français musulmans algériens sont invités à ne pas sortir la nuit de 20h jusqu'à 5h du matin. Alors là, c'est une invitation, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors là, on n'a pas voulu prendre la décision comme la première fois. On a écrit nos rapports. Le 7, on a écrit des rapports à nos responsables qui se trouvaient en Allemagne. Parce que ce couvre-feu, quand il intéresse Paris et les banlieues, hein, ce n'est pas toute la France. Hein, parce qu'il y en a qui disent à Marseille, etc., mais c'est faux. Le couvre-feu, c'est Paris et toutes les banlieues qui couvrent quand même plusieurs départements quand même qui sont autour de Paris. Et ben, nous étions à l'époque quand même 80 000 militantes et militants dans Paris et les banlieues. 80 000 militantes et militants. Là j'ai même les rapports de l'époque que j'ai fait à l'époque avec le carbone, et je les ai scannés dans le livre. Tout ce que je vous dis de là, tout est scanné dans le livre pour donner l'authenticité et la crédibilité justement à ce témoignage-là. Et ben, donc, l'ordre, on en a écrit à nos responsables qui se trouvent en Allemagne, par le biais du réseau, bien sûr, du réseau Johnson, au Mali, ou le courrier, etc. Et bien, ils ont transmis ça au GPRA, parce qu'il faut l'accord du GPRA pour faire sortir quand même ce monde-là. On n'est pas responsable s'il y a que. Alors, donc, finalement, ils se sont mis d'accord, le GPRA et le comité fédéral, le 12 octobre, la directive, elle est venue, justement, bien précise, que j'ai scanné toujours dans le livre. Alors, ils nous ont donné des instructions très strictes. Alors, le 17,
Ils nous ont dit, vous allez la faire le 14, parce qu'on l'a reçu le 12. Et bien, deux jours, le 14, si les moyens ne permettent pas, le 17 au plus tard. Voilà. Comme nous, pour informer tout ce monde-là, il faut du temps. À l'époque, il n'y a pas de téléphone, même le téléphone interdit, où là, tu donnes un papier. Le 17 octobre, il ne faut pas qu'il soit de bouche à oreille, c'est tout. Qu'on la transmettre. Chacun transmet à son responsable. Et bien donc, on a dit le 17 parce que pour avoir plus de temps pour informer tout le monde, et bien le 17, tout le monde doit sortir, hommes, femmes, enfants, même les poussettes, même s'il y a des enfants, les poussettes dans les grandes artères de Paris. Ils nous ont donné même les endroits, mais chez n'importe où, à Paris, pas dans les banlieues. Paris, l'avenue de la Grande Armée, les Champs-Élysées, les grands boulevards, la place de la Concorde, la place de l'Opéra, tout le centre de Paris, pour que le monde entier voit justement ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça, c'est le 17. Et encore, pas une épingle dans la poche. Une marche pacifique, ni cri, ni rien du tout. Puisqu'on nous dit, nous sommes français musulmans d'Algérie. Alors, donc, ce n'est pas la peine. Voilà. Et bien, voilà, on a fait cette marche, tout le monde, dans la rue, justement, c'est le 17. Et bien, Papon, il a mobilisé, justement, puisque c'est facile pour lui. Il a 1500 policiers, 2000 gendarmes, et les harkis, bien sûr, et tout, même toute l'armada, la police en civil, etc., etc. Eh bien, ils ont fermé Paris. Paris, il a 35 portes, Paris. 35 portes. Ça veut dire les banlieues qui donnent sur Paris avec des ponts. Ils ont mis leur camion et leur etc. là-bas pour éviter que les gens des banlieues rentrent à Paris. Ceux de Paris, ils ne peuvent pas, mais ceux qui sont à l'extérieur, il ne faut pas qu'ils rentrent à Paris. Voilà. Donc, avec ça, on a eu quand même du mal, mais quand même, on est arrivé à faire ce qu'ils doivent faire. Justement. Et bien, c'est le 17, donc c'est comme ça. Le 18, donc les commerçants doivent fermer jour et nuit, les commerçants algériens, pour un signe de solidarité. Et le 19, toutes les femmes dans toute la France. Le 19, les femmes. Les femmes dans toute la France, il faut qu'ils sortent, justement. Et on sait qu'il y aura beaucoup de détenus, effectivement, devant les casernes, devant les commissariats, devant les prisons, c'est tout, hein, pour clamer « libérer nos enfants, libérer nos maris, libérer, etc. etc. » Les slogans, ils sont connus déjà. Dans la directive, je l'ai scanné aussi, elle est en détail, telle qu'elle est. Le 17, 18, 19, voilà. Et bien, donc, cette manifestation, elle a joué un rôle important, puisque les massacres, ils sont connus et reconnus. Maintenant, ils sont reconnus officiellement par Hollande, justement. Il a reconnu. Il n'a pas dit massacre. Il a dit la sanglante répression. La République française reconnaît avec sérénité la répression, justement, du 17 octobre 61. Et bien, donc, Bertrand Delanoué, qui est donc qui vous a lu le frère tout à l'heure, et bien, il a mis la plaque au pont Saint-Michel. Le pont Saint-Michel, il est en face de la préfecture de police. Et bien, à partir de là, ils ont jeté 250 Algériens par ce pont-là, à l'époque, pour la nuit du 17 octobre. 250, ils les ont jetés de là-bas. Ils les ont emmenés à la préfecture, de là-bas, ils les ont assommés. Donc, Delanoué, il a mis une plaque là-bas. Une plaque vraiment qui est du genre, d'ailleurs, je l'ai mise même dans la couverture. Alors, qu'est-ce qu'il met ? À la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 61. Ce n'est pas une reconnaissance. Et encore, il a mis tué, justement. Mais de la nuit, quand j'ai été le remercier, quand je me trouvais là-bas, quand il a inauguré la plaque, il a dit, le texte, c'est bien celui-là, mais comme il a eu quand même des éléments de droite dans la municipalité, ils lui ont enlevé deux mots clés. Les deux mots, mais j'ai fermé exprès. Alors, les deux mots, c'est quoi? Ouais, il a dit à la mémoire de nombreux Algériens, ouais, il a mis à la mémoire des centaines d'Algériens. Ils ont enlevé centaines, ils ont mis nombreux, voilà. Et en bas, alors tuer, le mot tuer, il a mis assassiné. Des centaines d'Algériens assassinés lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 61. Donc le texte là,
Il a, avec les deux mois, mais quand même, il reste. D'ailleurs, Hollande, quand il a reconnu, il a repris le texte. Là, la République française reconnaît avec sérénité, justement la, il a rendu hommage à toutes les victimes au nom de la République française, et encore la sanglante répression. Et le Sénat, justement, a voté le décret de la même chose. Donc, il y a une reconnaissance officielle, justement, de cet événement. Eh bien, vraiment, on a été quand même vigilants, il faut être à l'époque. Eh bien, quand on a continué quand même, la grève, en ce moment, la manifestation s'est arrêtée avec les femmes de 19, finalement. Eh bien, donc, De Gaulle, il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas parce que maintenant, il ne sait pas quoi faire. Il a le gouvernement Tao contre lui. Avec Debré, Ousmane, ils sont toujours Algérie française, avec Frey, etc. Alors donc, une semaine après, le 28 octobre, il a demandé par le biais des Suisses à reprendre contact avec le GPRA. Le 28 octobre, il a à reprendre le contact avec le GPRA. Et bien les Suisses, donc en rapport avec le GPRA, ils ont repris contact à Bâle en Suisse le 28 octobre, 10 jours après. Le premier contact a eu lieu à Bâle en Suisse, c'est Reda Malek-Layrahmo, justement, il l'a bien mentionné. Le GPRA a envoyé deux, Reda Malek-Layrahmo et Mohamed Sidek Ben Yahya. Et du côté français, De Gaulle a envoyé Bruno Delos et Claude Chaillé. Ça, c'est des hommes de confiance qu'il a envoyé De Gaulle pour entamer les négociations. Et bien, Guillaume Gall, c'est Reda Malek-Layrahmo. Gall, quand on s'est mis à table, on a posé la question. Bon, on s'est vu plusieurs fois, vous ne voulez pas rentrer dans sur l'intégrité du territoire. Est-ce qu'on on va négocier sérieusement ou encore, vous parlez encore, le Sahara, etc. Eh bien, Claude Chaillé lui a dit, nous sommes venus maintenant discuter sérieusement, donc il reconnaît que avant ce n'était pas sérieux, sérieusement, sur l'intégrité du territoire algérien, bon, tel qu'il est, les frontières actuelles. Bon, et bien ça, il a ajouté, parce que le général de Gaulle est très inquiet des mouvements de foule du 17 octobre 61. Ce n'est pas les 7 ans de guerre qui l'ont dérangé, c'est les foules de 61, parce que Paris, capitale des droits de l'homme, c'est devenu capitale des crimes de l'homme, justement. Alors tout le monde, un Français, il m'a dit, on dit là, à Paris, c'est le miroir du monde. Il m'a dit, le miroir du monde, le FLN l'a utilisé, et là, c'est là où le colonialisme a été connu à travers le monde. Qu'est-ce qu'il a fait justement dans cette guerre d'Algérie? Donc le miroir du monde. Et bien donc, les négociations, ils ont repris, normalement, après délégation enrichie. Et bien le 1er novembre 1961, Ben Ousmane Khaddal Layrahmo, justement celui qui a pris le GPRA par la suite, j'ai une déclaration de Taouhnaïa, elle est longue, mais en parlant des événements du 17 octobre, justement. Les Algériens de Paris, justement, Paris revêt aujourd'hui une ville en état de guerre, justement, en état de guerre. Alors donc les Algériens, cette pression, ils vont la poursuivre s'il y a lieu pour arriver au but, justement, à l'indépendance de l'Algérie. Alors j'ai le document ici. Et bien donc, De Gaulle, ils ont continué, mais c'est Ben Khaddal Layrahmo, c'est le 7e anniversaire du 1er novembre, justement, le 1er novembre 61, c'est le 7e anniversaire. Il a décrété ça comme journée nationale. Même la détention, tous les détenus doivent faire marquer cette journée avec une grève de la faim. Un jour, faire une grève de la faim, un jour, pour marquer. Et bien, les détenus, 15 000 détenus, ils ne sont pas arrêtés à un jour, ils ont fait 20 jours de grève de la faim. Voilà. Hadi Bzaf, c'est Ramer qui l'a mis dans son livre, les 20 jours de grève de la faim. Du 2 novembre jusqu'au 22, justement, au 22 novembre. La grève de la faim. Même les 5 ministres, par solidarité, ils ont fait la grève de la faim. Paraît-il, d'après les écrits, d'après les statistiques, eh ben, il y a eu Khedr Allahyarhamo, Maboudiafra, ils étaient un peu fatigués, déjà malades, eh ben, ils ont fait la grève, eh ben, ils étaient hospitalisés plusieurs fois, parce qu'ils ont fait la grève, en solidarité avec. Ils ont tous les régimes, mais ils ont fait la grève. Eh ben, il a fallu l'intervention de l'ONU, j'ai même justement. L'ONU, parce qu'il y a eu les pays afro-asiatiques, ils ont déposé une résolution, justement, dans laquelle ils condamnent, justement, la France par ce crime-là, justement, déjà le 17 octobre, plus les détenus, plus alors, donc, là, De Gaulle, il ne sait pas où donner la tête. Et bien, par la suite, les négociations, ils ont repris la fin novembre,
normalement, eh ben, la délégation algérienne, l'Algérienne qui est dirigée par Karim Qasem Allah Yarhamou, eh ben, ils ont demandé à ce que les 5 ministres détenus, ils assistent aux négociations. Ils vont faire partie aux négociations. C'était des ministres du GPRA. Eh ben, De Gaulle a refusé, on ne peut pas les libérer, mais ceux qui veulent venir les voir, ils sont libres. Et Rah Karim Qasem les a vus, Rah justement, Bentoubal, Mohamed Sidik Ben Yahya. Ils ont été les voir au château de l'Onloi. Il est Rahou Chafouron. Justement, ils ont échangé quand même leurs idées, etc. Et bien, donc, les négociations, ils ont continué, justement, des dirigeants, comme dit l'autre, jusqu'au 17 mars. Je disais ainsi 17 parce que pour ne pas, ça c'est le Redamalek Lahermou, les premiers temps, c'était des pourparlers. C'est à partir du 17, du 1er au 17 mars, c'est les négociations. Ça aussi, des appellations, vraiment, en tout cas, les intellectuels, je vois qu'il a dit, c'est des pourparlers. Goulongoul, mais ça, les vraies négociations, ils ont commencé le 1er mars jusqu'au 17 mars à 17h40. Les accords d'évent, ils étaient terminés. Alors, le 17 mars, c'est 17h40. Le lendemain, le 18, c'était la signature par les deux délégations. Même les signatures, comme l'a dit l'Armoussé Reda Malik, il ne l'a pas écrit, mais il l'a dit, il l'a dit à tout le monde, justement. Il a dit, Karim El Qasem Allah Yarhamou, on lui a dit, c'est toi qui vas signer. Parce que la nuit du 17 au 18, ils ont Shtam'outma, là où ils étaient, dans l'hôtel où ils étaient. Alors, comment pour la signature? Alors, la signature, tout le monde lui a dit à Karim El Qasem, c'est toi qui vas signer tout seul. Maintenant, on ne va pas, on a laissé les signer, bien sûr. Jacques et ça ensuite, tu signes tout seul au nom de l'Algérie. Gal Karim El Qasem s'est énervé. Il s'est énervé, non, je ne veux pas prendre cette responsabilité tout seul, vous signez comme moi, vous signez avec moi. Galli, on l'a quand même convaincu, Galli, il a même pris son stylo, il l'a jeté, année par la nervosité, et finalement, ils l'ont convaincu, le lendemain, c'est lui qui a signé tout seul. Voilà, hadith, ce n'est pas une anecdote, c'est une réalité qu'il faut raconter à nos enfants, pour qu'ils puissent savoir, le nationalisme, qu'est-ce que c'est. Et bien, donc, le lendemain matin, il a signé. Le dernier feuillet, il y a 193 feuillets, justement, des accords d'Évian. Donc, il faut les lire. Hein. Alors, donc, il a signé. Le 19, ils se sont mis d'accord. Le 19, justement, les deux gouvernements, puisque maintenant, gouvernement à gouvernement, ils se sont mis d'accord pour le cessez-le-feu, le 19 mars à 12h. De Gaulle à Paris et c'est Ben Khaddad justement à Tunis justement. Ils ont fait des déclarations respectives. Alors donc maintenant, voilà l'apport justement de cette manifestation qui a accéléré justement. Je ne veux pas dire que c'est l'immigration qui a ramené l'indépendance, c'est faux. Tout Algérien, il a contribué justement à cette... Mais l'immigration, quand même, au sein de l'ennemi, elle a joué un rôle très important et je crois qu'on ne lui a pas donné l'importance qu'il faut justement pour ce 17 octobre qui est la dernière bataille. Il a dit Qadr al-Adlani, membre du PPA, Marouf, justement, membre du comité central, du comité de la Fédération de France du FLN. Et bien, il avait dit en 87, dernier ma'a, justement, à la radio pour le 17 octobre, parce que moi je suis sur le terrain, lui il a donné des ordres. La directive, il est signé de lui, Qadr. Il est responsable organique du comité fédéral. Alors, il a donné quand même son témoignage. L'idée du 1er novembre, il est venu de l'immigration, l'étoile nord-africaine, etc. Et la finale de la révolution algérienne, il est venu sur le même bord de la Seine, justement à Paris. Donc ce n'est pas pour se vanter, mais l'indépendance, c'est tous les Algériens qui ont participé, hommes, femmes, enfants, même le Hayawan Ta'na, il a contribué. Donc voilà la finale, justement, mais le 17 octobre, et on ne lui a pas donné cette importance, ici en Algérie. En France, il y a eu 28 livres, 28 qui ont écrit sur le 17 octobre. Il y a même des Anglais, justement, ils ont écrit sur le 17 octobre. Eh ben, ils ont écrit sur les harkis le 17 octobre. Eh ben, en Algérie, il y a 3 livres, c'est tout. Ou 3. Parmi les 3, 2, ils ont cité, c'est tout. Mais le troisième, je m'excuse de dire moi, parce que moi, en tant que témoin vivant, j'ai donné tous ces détails que d'autres n'ont pas donné. Eh ben, donc 28
livres en France et 3 en Algérie sur cet événement. Et bien, en France maintenant, le 17 octobre, il est reconnu officiellement. Toutes les communes socialistes et communistes, ils ont baptisé des rues, des places. Fatima Abdar, la jeune lycéenne de 15 ans, jetée à la Seine, justement, elle est là, justement, je l'ai mise à accès, jetée à la Seine. On l'appelle Hassib Mboualé de l'émigration, la Rahma. Et bien, elle est sortie avec son cartable du lycée. Il y a Saint-Denis, Rachel Paris, je dois faire que ils l'ont tué, ils l'ont jeté au canal Saint-Denis. Et bien, le maire de Saint-Denis, il y a quelques années, il a baptisé un grand parc en son nom à elle. Il a mis la plus jeune victime du 17 octobre 1961. Et je cite encore, il y a trois ans, je dirais bien, notre ministre de l'Intérieur, qui est Zébedoui Halien, qui est même le gouvernement, et bien, il a été là-bas en visite officielle, il a été déposé une gerbe de fleurs programmé par le consul de Bobigny, justement, sur la plaque de Fatima Abdar, justement, là-bas, à Saint-Denis. Et bien, il a baptisé la place de la gare, qui date depuis un siècle, la place de la gare à Saint-Denis, place des victimes du 17 octobre 61. Alors, toutes les communes communistes, etc., ils ont baptisé, et bien, ici, chez nous, je le dis et je le redis, et bien, rare, il y a Kabougie, il y a etc., où on voit le 17 octobre. Et bien, je ne le dis pas devant les étrangers parce que ça me fait mal au cœur. Et en même temps, je remercie encore Madame la ministre de l'Éducation, Lerahat, bien sûr. Et bien, il a inclus le sujet d'histoire du 17 octobre, le sujet du bac, le bac de 2016-2017, il a inclus le 17 octobre dans le sujet d'histoire du bac, la première fois. Donc voilà, un événement quand même de cette envergure, il est méconnu et je suis très touché et je m'excuse peut-être d'être trop long pour vous, de m'expliquer d'une manière un peu détaillée, mais je veux pas l'histoire la couper en morceaux. Wassalamu alaikum. Le kitab ntaï kitabtou wajib alia khatr ana tabaqt l'aya li tqoul بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وصدق الله العظيم هذا واجب علي وعلى المجاهدين كلهم باش يعطيو الشهادات نتاعهم حية على الشيء اللي عاشوه في الثورة نتاعنا الثورة يعني المجيدة يعني اللي جابتنا الاستقلال باش الشباب نتاعنا يهتموا بالتاريخ ويهتموا بالشيء اللي دار الاستعمار في الجزائر 130 سنه 32 سنه باش يعني المجاهدين كل واحد يمد الشيء اللي عاشوا باش يعني العذاب والتمرميد والدماء ويعني وكلش واجب باش يعني يعطي الشهاده نتاعو بصح الشهاده نتاعو لازم تكون حره ماشي الشهاده يعني هذيك قالوا لي وقلت انا عشت الحدث سورتو في هذه الفيدرالية جبهه تحرير الوطن في فرنسا يبقى مجهول تماما يعني في التاريخ ما ولدنا الغرب اليوم ما قلنا لهم والو المدرسه ما يعني ما تعطلهمش على التاريخ هذا تعطل على اول نوفمبر 5 جويلية وهذا ما كان بصح يعني نتاسف 19 مارس 62 توقف الحرب ما الشباب نتاعنا ما عرفوش 19 مارس هو الاستقلال 132 سنه الجزائر دات استقلال 19 مارس توقف الحرب هو الاستقلال لازم يعني نحتفلوا به ونعرفوه كما لازم الحال هذه يعني اللي حتمت عليا باش يعني واجب عليا باش نعطي شهاده على الكتاب اللي كتبت راني حوست نترجمه ترجموا بالعربيه باسكو الاغلبيه من ولادنا الله غالب عليهم قراوا العربيه راني نحوس باش نترجموا ثاني بالعربيه باش يعني الناس كامل يعني يعرفوا الدور اللي لعبته الجاليه الجزائريه في فرنسا في قلب العدو احنا ضربنا فرنسا في قلب العدو يعني هذا الله يرحمه مفدي زكريا يعني في القصيده نتاعو الله يرحمه جوستومون هضر على الجاليه الجزائريه والدور اللي لعبته في فرنسا في الثوره قال وندك فرنسا في فرنسا ضربنا فرنسا في قلبها
جوستومون هذا هو هذا هو كيما قال جنرال جياب يعني معروف هو اللي خرج فرنسا من الاندوشين قال هذه الخطره الاولى في تاريخ الشعوب اللي كافحوا على الاستقلال نتاعهم وين المستعمر قام بحرب في قلب الاستعمار يعني هذه يعني عندها اهميه باش الشباب نتاعنا يعرفوا بها باللي الجزائريين اللي كانوا في فرنسا ما راحوش يلعبوا ثم ديجا مولوا الثرى مولوا الثرى الجهاد يعني بالاموال يبقى حنا مولنا الثرى بالاموال وبالدماء ثاني وبالدماء والشيء اللي صار علينا ثم في فرنسا هذيك هذه المجزره اللي وقعت في 800 اسمه في 17 اكتوبر 61 اكثر نتاع 845 جو تما بالطريقه هذه اون ميم طون الثلاثه نتاع 8 ماي والثلاثه نتاع 17 اكتوبر 61 يعني كيف مقارنين يعني الله هذه لازم الشباب نتاعنا يهتموا بها ويعني التاريخ نتاعنا لازم يحوسوا عليه باش راني نحوس باش نترجم هذا الكتاب ان شاء الله باش الولاد يعني يعرفوا التاريخ وانا حكيت الشيء اللي عشته انايا ما قالوليش انا اللي عشته يعني كمسؤول في باريس في الوقت هذاك يعني في القدنة هذه يعني اللي حبيت يعني نخلي للشباب نخلي نعميه هذا هو انا قعدت انا استنيت كان المؤرخين الجزائريين حبيت هما اللي يكتبوا انا ماهوش كاتب انا يعني. انا نعرف نحكي والكتاب للغاربه قريت شويه مي ماشي بزاف بصح شكون اللي عاونني ما لقيتش يعني المؤرخين الجزائريين باش يعاونوني يبقى اللي عاونوني فرنساويين المؤرخين الفرنساويين جون لوك نودي هذا هو اللي قال لي اكتب وراني نعاونك انا لخاطر ديجا هو كتب 4 كتب على 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 الثوره نتاعنا وعلى على 17 اكتوبر قال لي وعلاه انت راك تمدلي في الشهادات نتاعك وتمدلي في المعلومات قال لي وعلاه ما تكتبش انت قلت له ما نعرفش نكتب انايا احنا لو كان نعرفوا نكتبوا لو كان ما درناش الثوره يعني بالطريقه هذه باش نضحكوا برك ومن بعد قال لي راني هنا نعاونك الله راه من بعد انا نحكي له ويسجل كلش هو اللي عاوني باش كتبت هذا الكتاب هذا 600 صفحه اي اون ميم طون هذا المؤرخ هذا هو اللي دار لي لا بريفاس هو اللي دعم يعني الكتاب نتاعي لخاطر في الشيء اللي قلت فيه الحقيقه الميم المير نتاع باريس باريس بيرتران دولانوي بس انا ذكرته هو قال لي بارك الله فيك الكتاب نتاعك واحد مكتوب المؤرخين نتاعنا يلايموا واسمو يعني ويديروا بصح انت راك قلت لنا الشيء اللي عشته يعني حقيقه وقال لي بارك الله فيك لا 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 قلت لك انا مانيش ما نكتبش داير ما نكتبش نكتب على التاريخ نتاعي دوك ما نعرفش نهضر عليا انايا يبقى دوك نكتب المشوار نتاعي يعني ملي زدت حتى راني نوجد باش نكتبوا 3 سنين حبس ولا الشيء اللي المصايب يعني اللي طحت فيهم في الحبس وهربت من الحبس وهذه راكتبها ان شاء الله الا كان مازال ربي عطاني القوه باش يعني انا راني في 86 سنه والحمد لله واني نروح نرقد مريح كي نموت وما الضمير تاعي يكون مريح هذا ما كان بارك الله فيك الو هذا الليبر الو دونك انا هذه الصوره نتاعي انا ما نحبش نديرها بصح قالوا لي لازم دير الصوره نتاعك الصوره نتاعي ماشي تاع اليوم داروا لي الصوره نتاع 19 مارس 62 كانت في عمري 27 سنه فوالا هذه اللي راه هنا وهاد الطفله هذه الشاهده هذه 15 سنه في عمرها كانت في الثانويه خرجت نهار 17 اكتوبر موليها قالوا لها روحي للدار احنا نروحوا نديروا مظاهرات وهي قالت لهم انا ثاني نحب نساهم الجماعه الجزائر على استقلال الجزائر وراحت دير مظاهرات وشدوها البوليسيه وقتلوها ولحوها لواد الصين كما بيا بالمحفظه نتاعها الطفله هذه زادت في بجايه و15 سنه في عمرها ودرتها لخاطر باش الشباب يهتموا باللي الثوره نتاعنا جات من الصغار والكبار للشعب كامل كافح ماشي غير والنساء عندهم يعني نجم نقول عندهم الكوراج اكثر من الرجال شاهدناه ثم في فرنسا في المظاهرات اللي قايمين يبقى النساء ميم لا بوليس يضربوا لا بوليس ميم ضربوا لا بوليس واحده يعني نتفكر عليها يبقى كي جا البوليسي باش يحبسهم يعني هذوك اللي داروا المسيره يبقى جا البوليسي هي ثانيه دزاته وطاح والكابوس نتاعو طاح للطريق هو خاف على الكابوس نتاعو واش قالت هي خافت راحت هزت الكابوس هذاك ومدته له
الو شوف هذه ماشي باش تقتلو والله واحد اخرين نجم يقتلو بالكابوس تاعو هاكي عطاته تما راح بوسه ثاني وراح لخاطر لو كان ودر الكابوس تاعو يقتلوه على بالك يحكموا عليه يعني للشرطه الفرنسية يعني هذه المراه يعني اللي دارت الشيء هذا يعني عندها اهميه قلت لها ما تجيش انت ما نحوش عليك انت فوالا يعني هذه هي والطفله هذه يعني دارت الواجب نتاعها والرفات نتاعها جيتهم هي كانت دفنوها في فرنسا 45 سنه بعد باش حنا جبنا الرفات نتاعها باش ندفنوها في مقبره الشهداء في تيشي وين زادت في فيجاية انا اللي درت مجهودي باش درت الرفات نتاعها باش تدفن في البلاد طاحت ماتت على الجزائر والجزائر ما عطاتلهاش متر ما كانش متر تاع التراب باش تدفن يبا جبنا الرفات نتاعها 45 سنه الله باش جبناهم ودفناهم في مقبره الشهداء في تيشي واليوم تيشي ما بلدية تيشي في بجاية راهم سماو عليها حي فاطمة بالدار الشهيدة فاطمة بالدار الله نعمل بارك الله فيك رحم والديك.